Salut à tous, donc on commence cette vidéo sur un combat. Donc, ouais, je fais en sorte de leur défoncer la gueule rapidement. Ah, ils craignent le vent, les petits. Ouais, tous en fait. Je crois que c'était juste les petites fées, mais en fait, non. Putain, ouais. Ah, le con. Lui, il vaut mieux qu'il fasse ça plutôt qu'il attaque parce que déjà, ils craignent pas trop la terre. Ah mais c'est vrai que putain il se défend ce truc. Et puis en plus lui il manque de MP parce que c'est lui qui spawn. Voilà. Ah oui alors le champignon vert. Je vous avais dit qu'il servait à avoir un jean feu mais de toute façon on peut pas le récupérer tout de suite le champignon vert. Vu qu'il faut avoir prima, voilà. Autre chose, oui, je vous avais toujours pas dit les noms US et Jap des persos du 1. Alors, attendez, d'abord je vais faire ça, je vais vous sortir leur nom. Donc autant dans le 2 ils ont des noms de bouffe et tout, autant dans le 1 ça va, leur nom je crois pas. Et puis ils sont pas cassés le cul, vous allez voir ça. Alors Vlad il s'appelle Isaac en anglais et Robin en jap, ou Robin quoi. Comment ils prononcent ça aussi. Et Garrett, pareil en US, Garrett aussi. Et Gérald en japonais. En fait, en japonais, je sais pas pourquoi, mais ils foutent des noms français à chaque fois. Parce que ça leur fait style et tout. C'est comme nous, quand on parle des fois moitié anglais là pour faire style. Bah, quand ils parlent français, mais... c'est pareil. Enfin voilà. Yvan. Alors, ils sont vraiment pas fait chier. Ils s'appellent Yvan. Pour les trois en fait. Alors là j'ai le temps de me faire prendre là, je sais pas pourquoi. Putain là, dans une ruisson. Alors je sais pas. Comme ça peut-être. Ah t'as vu cette feinte là, hein. Ah mais putain mais c'est les mêmes en plus. Ça marche pas je vous dis. Donc là faut frima donc on peut pas. Et on quitte les mondes de Kibombo, ouais. Il y a même une musique des fanfares. Donc ben on va continuer vers le nord. Non, si. Je sais pas en fait. Je sais pas si on peut continuer vers le nord. Ouais, ça sert à quoi de passer par là, c'est con. Ouais, si ouais. Bah on n'a pas le choix. On continue vers le nord et on va arriver à un village. Donc déjà vous voyez, c'est pas la nuit, hein. Enfin, c'est parce que là. Vous vous rappelez quand on était au village d'avant là, on nous avait dit qu'on allait assister à une cérémonie ou je sais pas quoi. Bah c'est ici. Voilà donc ils font une espèce de cérémonie ça fait un peu style vaudou leur truc. Je voudrais pas dire de conneries, je ne connais pas trop. Hein. Alors, il faut trouver un moyen de passer. Alors, je sais plus comment on passe. Ouais, c'est par là. Alors, comment on se passe par là déjà? Non. Je suis un handicapé. Alors, comment qu'on passe déjà? Il faut trouver un moyen de passer par-dessus là, en passant par là en fait. Ah, voilà. Trouver. C'est bientôt que Pierce nous rejoint. Parce que je vous rappelle que Pierce était parti par là, on l'avait appris au village. Enfin, pas au village, au monde Kibombo, ils avaient dit un étranger, machin. Il est passé, il a assommé les gardes. Donc on se doute bien que c'est Pierce. Hein. Ça, c'est pas du spoil hein, pour moi. Alors, on va passer par là. Oui, le prêtre, il peut nous proposer ses services. Mais on s'en fout. Oui. Mais encore. Ah bah oui, je suis bête. Donc. Voilà, la cérémonie.
Donc là, il veut être sacré sorcier, lui, donc il fait une cérémonie en fait. C'est pour ça qu'il a récupéré, enfin volé l'arbre noir. Parce que je vous rappelle que ils avaient attaqué le village de Madra. Ah ouais, ils avaient attaqué le village de Madra, volé l'orbe de Pierre, donc c'est pour ça qu'il allait. Mais ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Enfin bon. Mais on vient de le dire en fait, c'est pas grave. Ah, vous voyez là où vous dites, putain, ça marche son truc. Oui, comme vous voyez, ce n'est pas une simple statue. Ah oui, alors je vous préviens, c'est juste après ça, enfin quand on aura le bateau. Que le jeu va vraiment commencer. Enfin non, ça fait longtemps qu'il a commencé, mais vous avez dit que le 2 était largement mieux que le 1. Mais en fait, c'est surtout grâce au bateau. Donc pour l'instant, non. Donc là, voilà, lui, de toute façon, il a que des synergies de trucs. Et là, il va voir qu'on est des mystiques. Ça se voit pas trop à la couleur de ses cheveux, ça. Et oui, parce que il est Lémurien. Lémuria, c'est là où Vlad et tout le bordel doit aller. Ah voilà, mais c'est Babi qui s'appelle, le vieux qui voulait la potion de Lémuria pour pas vieillir. Vous allez voir, le jeu commence vraiment. Enfin, comment se rendre? Je l'ai dit, le 2 est largement mieux que le 1. Là, à peu près, c'est à peu près du même. Ouais. Du même calibre, on va dire. Enfin, du même niveau. Vous allez voir que dès qu'on a le bateau, si là vous trouvez que c'est bien, mais alors vous n'avez rien comprendre après. C'est un truc de taré. Après, c'est énorme, quoi. Enfin, je vais pas vous spoiler, hein, parce que j'ai envie de vous spoiler, mais. Voilà, il nous a volé un bateau pour s'enfuir de lui. Et le bateau, ben c'est celui que Vlad et son équipe ont pris là, à la fin du 1. Car vous avez vu, c'est exactement le même bateau que celui de Pierce qu'on a vu. Vous rappelez la tour de Babi vers la fin du jeu du 1. Elle servait justement à localiser les Lémuria. Mais ils n'ont jamais réussi à le trouver à cause de la brume. C'est-à-dire que c'est un mystique Babi alors. Thank you.
Et là, enfin, yes, putain, Yuti. Et clac, tiens, prends ça. Et ça, on peut pas encore lui donner parce que à cause de ce con qui n'a pas encore de jean machin. Voilà, donc voilà, hop, et glace. Voilà, et la prière et tout le bordel en plus. Donc pour l'instant, on va se régénérer. Voilà, donc on va passer par là. Parce que vous avez vu, lui il essaie de faire la cérémonie, mais en fait vous allez voir pourquoi le truc n'accepte pas le joyau. C'est assez surprenant la première fois, je vous l'avoue. Là on est bientôt là, enfin on est dans un sous-sol qui mène à la statue. Et la statue est en fait une machine. Voilà. Attendez, je vérifie un truc. Ombre, alors ça c'est ombre, franchement. Ça c'est un truc à avoir absolument. C'est un truc de taré, ombre. Ça fait un bouclier d'eau qui empêche, enfin qui réduit les dégâts qu'on se prend. Un peu comme granit, je crois. Ouais, granit. Dans le 1. Dans le 2. Avec ça, on est quasi invisible. Si on a ombre, granit, et il y en a un troisième, je crois aussi. On est franchement quasi invincible, quoi. Oui, je sais, je l'ai déjà dit. Ça, j'en ai été sûr, je m'y attendais trop là pour le coup. Ah oui, j'ai oublié de la rééquiper, mais je crois que je peux pas lui mettre plus que ce que j'ai déjà. De toute façon, j'ai vendu mes trucs quand même. Donc, vous allez voir, c'est un deuxième bourrin à remplir ça. On a enfin l'équipe au complet là. Là, ça va devenir beaucoup plus intéressant déjà. Comme c'est déjà original hein, la statue là. Noix. Ah noix. Génial. C'est à dire qu'on peut en remonter déjà. Alors ça je le savais pas. C'est à dire qu'on peut avoir une défense de taré en fait. Y a pas un truc à lui donner lui. Alors il a quoi avec des cormas. Ouais, y a des trucs de base quoi. On monte de niveau comme des tarés là. Alors. Bon, pour aspect osseux. Ouais. Pourquoi je l'équipe? Non, non. Pas autorisé, ouais. Allez, tiens. Et elle va remettre son truc. Ouais, c'est bien. Voilà. Ces ennemis là, les salamandres, qui sont d'ailleurs tout au long du jeu en version plus puissante, c'est un des ennemis les plus chiants. Bah justement ils étaient aussi dans le 1 à la fin là. C'était bien casse-couille. Ouais. Alors, attendez, bien réfléchir avant de rentrer. De toute façon là on peut pas. Ah oui, je me rappelle. Clac. Là on arrête le mécanisme, ça arrête tous les autres. Et en fait on va devoir faire en sorte, parce que comme on est à l'intérieur de la statue et qu'on veut récupérer l'orbe noire, donc il faut faire en sorte que le sorcier là
ils donnent l'orbe noire et qu'elle puisse rentrer dans le truc. Parce que lui, vous avez compris, si le truc accepte son offrande, c'est-à-dire l'orbe noire, il est sacré sorcier. Oula. Pourquoi il y a un en haut et un en bas là? Ah. Alors est-ce que ça c'est la suite ou est-ce qu'il faut d'abord passer par en bas? Donc ouais, on va devoir faire en sorte que le truc accepte l'orbe. Comme ça on la récupère, lui il est sacré sorcier, tout le monde est content, on rentre chez nous, on boit un verre de multivitaminé avec une brioche. Un verre de multivitaminé, n'importe quoi ça. Alors comment on passe... Je ne me rappelle plus. Ah ouais, c'est vrai qu'on peut passer par là, j'ai oublié. Ah mais là on peut pas là. Il faut faire en sorte de passer. Ouais. Je vois. Comment on passe, c'est dingue. Non mais putain, mais vous arrêtez de musculer. Vous. Putain mais eux on les exécute hein. C'est nous les exécuteurs, c'est pas bien. Alors attendez, ouais. Ah, je vois pas comment on peut passer là quoi. Parce que là on peut pas faire droite, non. Ah mais j'ai compris, je suis un blaireau quand même. Je suis pas sûr de ça, mais je crois. On peut passer par là? Non. Non, c'est pas ça alors. Bon, en fait, faut faire en sorte d'arrêter les mécanismes alors. Hein, logiquement. Bon, moi je vais trouver un autre moyen alors. Ah oui! Il faut tomber par là. C'est ça. Je m'en rappelle. Oh, attendez. Putain, là, je suis en train de me paumer sévère, quoi. Je fais n'importe quoi, là. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Comme un con. Bah, écoutez, on va... Je vous avoue que je sais pas trop là. Ouais, vas-y, dis-moi. Ok, merci. Alors, ouais, la souris elle sert juste à nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Non. Mais. C'est énorme quand il. Et si vous attendez un quart d'heure, il dégueule tout sur le. Non, je déconne. Voilà, et maintenant faut. Ouais, mais on peut pas sauter là. On ne peut pas. Faut d'abord inverser les mécanismes pour pouvoir sauter en fait. Ouais, je devrais pouvoir faire ça. Faut faire en sorte que j'inverse ce truc. Putain, il faut que j'ai le jean là, il faut que j'ai le jean. Écoutez, on se quitte bientôt là. Et on se retrouve pour la suite de la statue de Gagomba. Putain, je suis pas revenu au début là. J'ai l'impression d'être revenu au début. Oups. Ouais, donc, on se quitte ici. Je récupère le coffre pour pas vous laisser trop de suspense. Ouais, un élixir, génial. Voilà, donc, salut.